Yep, les potes, on se retrouve pour une nouvelle, nouvel épisode tout simplement de la série Ma Ferme Américaine. Et avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je voulais tenir à vous remercier. On a passé les 100 000 abonnés lundi après-midi. Franchement, je sais pas comment vous remercier. Franchement, voilà. Pour ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voudriez que je fasse comme vidéo spéciale pour vous. Live, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Moi, une vidéo, enfin bref, vous me proposez des trucs, même une vidéo FAQ si vous voulez, pour poser des questions, il y aura le lien Discord ou Insta, voilà. Et vous m'envoyez des messages en privé, voilà, tout simplement. Sinon, voilà, je voulais vous remercier aussi de ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont arrivés après, mais qui sont restés quand même sur la chaîne, qui l'ont soutenu, qui ont mis des pouces bleus, qui ont regardé les vidéos, même voilà, si ça intéresse pas beaucoup de monde, certaines vidéos, mais bon, bref, voilà, merci à tous ceux-là. Et puis, vivement qu'on arrive. J'ai une mouche qui m'emmerde. Putain. Vivement qu'on arrive aux 200 abonnés. Parce que voilà, ça va arriver un jour. Mais bon, on essaiera de faire une autre vidéo. Et puis on verra bien ce qu'on fera. C'est vrai que normalement, je devais faire une vidéo hier de remerciement. Mais je l'ai pas faite. Mais dégage la mouche! Et donc du coup, voilà. Donc, ce que j'ai fait hier, j'ai tryhard. Oui, c'est le cas de le dire. J'ai fait 70 000 litres de soja et je crois qu'il m'en reste déjà encore dans le silo, je vais vous dire ça. Ouais, il me reste 14 000 dans le silo, donc franchement, voilà. Donc là, j'ai fait 70 000, là, il me reste une trémie de moissonneuse et puis on verra à combien on est arrivé. Heureusement que ce transbordeur est là, sinon je ne sais pas combien d'aller-retour j'aurais fait avec le camtar. Et du coup, je vais mettre ça dans le silo. À moins que. Non, on va pas mettre ça dans le silo. On va préparer à la vente. Voilà, donc on va monter ça à la ferme. Je vais prendre le. Alors, l'autre camion, c'est quoi comme marque? Bon, ça doit être Lizard à tous les coups. La marque de farming. Ah, putain, j'ai la voix cassée. Du coup, il y aura juste à prendre. Voilà. Hop, on enverra ça là-bas. Puis voilà, moi ça fait super plaisir. On est arrivé aux 100 000 abonnés. Pour moi, c'est quelque chose quand même. Donc, dans cet épisode, donc, du coup, on aura fait du coup les 100 000 litres de soja. Donc je vous dis, hein, je vais tryhard encore, hein. Mais je veux pas d'accélérer là, j'ai pas fait d'accélérer parce que finalement ça se répète. Voilà, c'est un peu des répétitions, donc du coup je préfère pas faire d'accélérer, parler en vidéo, même si des fois bon c'est un peu chiant de m'entendre parler, j'avoue. Voilà, je joue même plus en tournant la manette, là je suis plus habitué à jouer comme ça. Donc là, voilà, mais c'est vrai que putain, ça fait quelque chose quand même d'arriver aux 100 000 abonnés. Et voilà, donc. Puis j'ai mis une vidéo, là c'était samedi dernier, je crois, si je me trompe pas, parce que j'avais pas filmé Minecraft non plus. Mais je vous dis, j'ai réussi à faire un nouveau système dans Minecraft. Mais je vous explique ça dans la vidéo de samedi. Et voilà, donc ça, Minecraft, ne vous inquiétez pas, n'est pas prêt de s'arrêter tant que je trouve des systèmes de redstone assez sympathiques à faire. Je continuerai à vous faire bien sûr du Minecraft et puis voilà quoi. Qu'est-ce que ouais. Ah oui, peut-être une nouvelle série qui devra arriver sur la chaîne, je sais pas encore. Pour ceux qui aiment ça, bon après c'est que ça bug un peu, mais bon on ferait que des duels quoi, donc après c'est pas tellement non plus très intéressant. Mais bon, à voir. En vrai, à voir. Donc du coup, combien? En plus, j'ai prévu. Hein. Donc là, on va voir si on a bien les 70 000, 100 000 litres quand même. Parce que merci Fuzz. Je crois que c'était ça. C'était. Je vais regarder les commentaires. Il est où mon portable? Ah bah ça commence bien. Je sais même pas où il est mon téléphone. Et sauf que c'est ma tablette qui filme. Ah, c'est génial. Il est où? Il est où? Ouais, j'essaye de conduire en même temps. C'est chaud. Oui. Attends, le temps que ça vide, je vous fais une petite animation. Non, vraiment. Mais je vais essayer de le trouver. On va le mettre là. Voilà. Comme ça. Je vais essayer de le trouver. Parce que. Bon j'ai pas trouvé. Alors ça c'est fou. Non, j'ai pas trouvé malheureusement, je suis désolé. Oh, j'ai envie de tester un truc. Oh, vite, accélère, accélère.
Voilà, on accélère. Allez, 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 allez. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo farming. Et punaise, c'est mal. J'ai mal cadré. On voit pas bien le logo magasin. Attendez. Hop, voilà. Là, on le voit bien. C'est nickel. Voilà. Je veux juste voir le moi. C'est ça qui m'intéresse. Ou alors, j'enlève des cartes Pokémon. Voilà. Ouais, je pourrais. C'est vrai, je pourrais aussi. Mais bon, non. On fera ça. Déjà, on voit le moi, c'est déjà mieux, c'est déjà plus propre, c'est plus clean. C'est Brooklyn. Mais d'où je sors ça, moi? Non! Oh, non! Il avait fini. Attention, le verdict. Le verdict final. Est-ce qu'on aura les 100 000 litres? Je vous préviens. Je vous fais une coupure si jamais je les ai pas. Voilà. Et on a fait les 100 000 litres de soja à 780 litres près. Ce fut un défi très très long. Non, en vrai, j'ai mis juste 3 heures à le faire, mais c'est pas grave. Voilà, hein, donc on va charbonner maintenant pour le vendre. Vous savez où? Big Joe. Ouais! En avant, Big Joe! Ouais, parce que j'ai arrêté le temps, parce que chaque fois que j'ai une vidéo, j'arrête le temps. Et capote, capote. Parce que sinon, il y a la nuit qui arrive et c'est pas très joli. La nouille, nouille, nouille. Bon, allez. On reprend le petit Xerion. Il a un peu de mal à tirer, le transbordeur. En même temps, quand t'as 78, 70 litres dans le cul. 70 000, plutôt. Ouais, 70 000. Allez, les 100 000, on va vendre les 100 000 litres de soja. La première fois que j'arrive à 50% du silo. Donc, autant vous dire que ça fait du bien. Parce que 60... Ouais, mais 70 000 litres. 100 000 litres, quoi. Ah. Donc en gros, j'ai semé 3 fois, j'ai moissonné 3 fois. Non, c'est l'ouvrier qui a fait, bien sûr. Hein, qu'est-ce que vous avez cru? Prochain épisode, alors je vais essayer d'acheter quoi. Ah, non, j'ai reçu des commentaires comme quoi, bon, un champ serait mieux, parce que j'en ai pas beaucoup. C'est vrai, mais plus de champs, après, dit plus de profit aussi, mais plus de graines, je sais pas, moi, comment... Ah, plus d'achats aussi à faire aussi. Quelque part. Ah. Ah, mais ça, c'est con! Il y a l'écran qui est pas propre. Attends, il est où? Bon, bah, tant pis, hein. Ouais, il y a une nouveauté aussi dans le jeu, hein. Les routes sont complètement buggées. Pourquoi je vais par là? Big Joe, c'est là. Bon, bah, tant pis, on va par là. Les routes sont complètement buggées. En fait, il y a des endroits dans les routes. Genre, c'est plus dans le sur la route du bas. Ah, mais là on voit bien les rayures. Oui, la switch est rayée. Eh oui. Mais c'est parce qu'en fait il fait pas beau. Non, parce qu'en fait, juste avant que je moissonne, j'étais en mode. Il pleut! Non! Voilà, du coup c'était génial, j'ai dû passer. Là c'est en fin de journée, là ça s'est relevé. Enfin, en début de journée, là c'est le début. Mais c'était en fin de journée de l'autre jour. Ah, il y a encore les lampadaires d'allumer. Wow, mais moi je gère plus du tout. Allez, mon petit Xe. Oh, la vue qui est dégueulasse. Allez, mon Xe, allez. Oh là là, le pilotage professionnel est là. Pilotage dégueulasse. Non, mais je prends là parce que si je prenais avant, bah de toute façon on arrive sur la même route donc au pire. Allez hop, il n'y a pas la destruction des cultures, c'est parfait. On peut passer à travers champs. Enfin, mais quand même. D'où tu verras ça en France, quoi? Un Xerion plus un transborder. Non, mais attends. Putain. Putain. Excusez-moi pour ce vocabulaire très approprié. Mais. Non, mais je me suis keblo en plus! Oh, mais je suis un champion! Ah, c'est bon. Je croyais m'avoir keblo. Mais finalement, vu que je suis un champion, eh ben, tout se passe dans le meilleur. Non. Bon. On se fait combien? Moi je dis 150 000 euros. Verdict dans les commentaires. On n'est pas en live malheureusement. En vrai, ça serait bien de faire des lives sur cette. On m'a demandé d'ailleurs, quand est-ce que je fais des lives sur Farming 20? Très clairement, le live que j'avais fait sur Minecraft n'avait pas plu à certaines personnes.
Bien sûr, je ne dirais pas qui, mais parce qu'il y avait le recadrage, enfin le focus qui se faisait quasiment toutes les 2 secondes. Mais en même temps, j'ai pas non plus les appareils les plus performants pour pouvoir filmer la Switch. Voilà, on va me dire, ouais, tu filmes la Switch, ouais, il n'y a pas le recadrage. Ouais, mais avec Streamlabs, il fait quand même du recadrage tout le temps. Et comme t'as que Streamlabs sur Switch, pour stream. Après, j'ai Omelette, mais Omelette, ça serait différent parce qu'il peut pas filmer en IRL. Enfin, filmer comme là, je fais. Donc voilà. Je vais même pas regarder ça, mais sinon, au niveau cadrage du bas, on est parfait. Bon, là, on arrive quand même sur du. Ça monte hyper vite, les gars, ça monte vite. Là, à la limite, tu te demandes, mais je suis pas censé perdre de l'argent, là. Oh non, mais 130 000, mais en fait, on arrivera à 200 000, peut-être, hein? Peut-être. Attention, si je ne m'abuse. Ah bah non, parce que. Ouais, mais non. 118 000 euros, pardon. Avec 70 000 litres de soja. Mais c'est rentable. Mais c'est rentable. C'est trop rentable. Ah, c'est la vie, le soja. En fait, je sais pas si c'est vraiment c'est peut-être la culture qui remporte le plus, mais au niveau rendement, c'est pas la meilleure. Ça, je le sais. Mais ce que je devrais calculer, c'est 70 000 litres de blé. Ça vaut moins que le soja, en effet. Mais sur une longue durée, si tu veux, sur les 3 champs que j'ai là, là, je fais un peu plus de, je fais 33 000 litres avec les 3 champs. Mais en blé, est-ce que j'en ferai autant? Ah oh bah ça vidé. Bon là on arrive à ouais, 118 000. De toute façon je regarderai. Normalement j'ai pas fait de profit depuis longtemps. Oh si on atteint les 200 000 les gars. Non! Ça va, il y a le lait à vendre. Il y a le lait à vendre. Du coup on a fait combien de profit? Non mais attends, on a fait combien de profit les gars? Finance. Merde. Bah moi je suis con hein. Bah ouais. On a gagné 169 000 euros et je pensais qu'on. Revenu des récoltes. 170 000? Mais c'est tellement rentable! On a fait plus de 150 000! Oh, mais c'est grave rentable! Ah ouais! Ah, mais c'est hyper rentable. Non, mais je jure. En vrai, je vais faire ça tout le temps. Là, on va rien acheter, hein, ok. On va garder son argent. Je pourrais déjà acheter les champs qui m'intéressent. C'est un truc de fou, ce jeu. C'est un truc de fou, ce jeu. Quand tu veux tryhard, tu gagnes de l'argent, mais ça te coule comme ça. Bon, merde. Mais l'argent coule. Vas-y, on laisse ça tout là. Faut que je l'emmène voir. Alors, comment s'appelle Remorque Alley J'étais sûr que j'allais me payer le machin. J'étais sûr. Une fois en accéléré, je m'en souviens, je m'étais. Mais, tout payé, tu sais. Mais. Tout ce qui était sur mon chemin, je m'étais payé tout. Truc de fou. Mais au moins, néanmoins, ce jeu, il reste quand même bien. Bon, par contre, il y a la poussière, j'ai oublié de nettoyer, je suis désolé. Qualité de vidéo dégueulasse. Voilà. Très franchement, bon, ma qualité de contenu n'est pas non plus exceptionnelle. Mais, vu que je me conne tout, c'est drôle. Bon, allez hop, nous, on est. Voilà, la chaîne de Benji du Sale. À fond dans le RP depuis 1999. Ah non, mais c'est moi le meilleur pour le RP. T'es moi, il y a la mouche encore. Voilà, donc on va vendre le lait. Je sais pas s'il a un bon prix en fait. J'ai pas regardé, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé. Oh, 1500. Oh bah c'est bon. Viens, va vendre du lait, mon. Le bon lait. Ouais, du coup, les cochons, vous vous en souvenez de l'épisode où on les avait ajoutés? On avait 36 cochons, au jour d'aujourd'hui, on en a 54 en fait, voilà.
C'est un truc de fou ce jeu. 54 moutons, cochons. Donc voilà. Quand on aura à peu près vers les 70, on en vendra et puis on se fera 36 000 euros. Voilà quoi, une bétaillère pleine de cochons. Alors, s'il te plaît, tu peux me remplir en lait parce que je vais pas me battre longtemps. Voilà, merci. J'ai plus combien elle prend cette. Mais c'est pas vrai en fait. Mais réabaisse-toi. Voilà, je veux juste voir le 1. Pas le moins. Mouah, et ce magnificence. Oh, j'ai 22 000 litres de lait. Zobie, mais j'ai fait combien de lait? 20 000. Bon, bah, ça, on va se finir sur une vente de lait, mais finalement, c'est. On va dire. Et. Voilà, on va dire que c'est. Je sais pas quel titre je vais mettre, les grosses ventes ou 100 000 litres de soja Enfin bref, on verra bien. De toute façon, vous avez déjà le résultat. Moi, je ne l'ai pas, contrairement à vous. Et c'est ce qui est un peu dommage de temps en temps. Mais franchement, je pense que je vais plus jouer en off et plus vous faire d'accélérer, à part quand ce sera nouveau. Et je viens de regarder mes défis en fait. Et en fait, le plus compliqué reste à venir. Donc là, on n'est pas encore à l'épisode 35 comme, bah, comme j'ai bien, on le remarque, hein, bien sûr. Mais ça va être compliqué de, comment dire, d'acheter bah, la Holmer ou la Repas. C'est quand même 600 000 euros ou ouais 600 000 euros on va dire, ouais 600 700 000 euros. Et donc du coup ça fait un peu mal au cul-cul quoi. Et mais putain. Et prochain achat, qu'est-ce qu'on s'achète? Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va se lâcher un peu sur voilà. Voilà quoi, une petite. On finit toujours par ce canetard, mais c'est chiant, mais non, mais c'est chiant, on finit toujours. Attends, on va changer de profil parce qu'on prend beaucoup trop ce profil. Voilà, on change de profil, c'est quand même mieux. Et puis, oh la vache, mais regarde l'argent, regarde l'argent. Ah! 51 000 litres de lait vendu. Bon, très franchement, nous sommes à un bénéfice de. On va garder ça. Alors, le bénéfice de mes finances sont de 220 000 euros. Voilà, donc on s'est fait 220 000 euros 57 dans l'épisode. Et oui, on est vraiment bien. Bon, bah, les potes, c'était Benji du ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Comme si vous êtes nouveau, voilà, c'est une petite série. N'hésitez pas à voir tous les anciens épisodes pour ceux qui aiment bien voir ça. Et puis sinon, bah, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, voilà, et partagez-la aussi. Pour ceux qui voudraient, je le dis pas souvent, mais pour ceux qui voudraient me choper sur, en MP, enfin m'envoyer des messages ou me contacter, n'hésitez pas à aller sur Insta, il y a le lien dans la description, ou Discord, tout simplement, il y a mon serveur. Et puis voilà, donc bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, sinon à samedi. Et je vais essayer de faire plus de live, parce que c'est vrai que là en ce moment je suis un peu en mode, ouais, c'est les vacances et tout, donc j'arrête. Un peu, voilà, je me libère, mais c'est vrai que c'est là où il faut faire le plus de vidéos, au contraire. Mais moi, je préfère pas. Donc voilà, et puis voilà, je pense que je vais essayer de faire un live dans la semaine. On va voir bien. On va voir. Bon, bah, à la semaine prochaine.